Debussy me passionne parce que c'est un compositeur au parcours assez extraordinaire, complètement atypique. Mais il va laisser une œuvre d'une profonde originalité, une empreinte absolument incroyable pour les compositeurs du XXe siècle. Et c'est vraiment une espèce de comète un peu dans la musique de cette époque-là. Chez Debussy, il y a quelque chose que je trouve fascinant, c'est une pensée qui remet en question complètement l'idée même du temps musical. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans, si on prend les accords, ce qui est joué, la notion même des mélodies, tout ça, on n'est plus dans une notion qui se construit, mais dans quelque chose qui véritablement peut faire un arrêt sur image, peut se permettre d'écouter le silence, peut se permettre d'écouter entre les notes, ou alors au cœur des notes. La musique de Debussy, c'est à la fois ce bain de musique heureux, cette musique libérée, bon, ce son hein, qui nous transperce et qui va au-delà du discours. Bon. Mais c'est aussi une musique qui est un peu le miroir de nous-mêmes et de la culpabilité de la société et du monde. Vraiment, c'est donner un panorama le plus complet, de la fois en tant que lui comme compositeur, mais aussi comme interprète de ses œuvres, comme quelqu'un qui a, comment dire, agréé un certain nombre d'arrangements. Donc c'était vraiment une vision globale du Debussy jeune des années 82 jusqu'à son décès. Et je crois que c'est une véritable première, puisque ça n'a jamais été fait auparavant, de donner un panorama aussi complet. Il est vrai que le travail qui a été entrepris aussi sur les œuvres complètes permet, commence à permettre ce genre de travail, parce qu'il y a beaucoup de partitions qui n'étaient pas accessibles auparavant et qui le deviennent grâce à ce qu'on fait aux éditions Durand. Évidemment, notre idée, c'était d'aller le plus loin possible. L'intérêt, au fond, d'un anniversaire, c'est de faire découvrir, d'aller plus loin, en plus vers quelqu'un qui est enveloppé d'un profond mystère. Il y a un paradoxe, en fait, chez Debussy, c'est qu'effectivement, sa musique donne une impression de grande liberté. Et pourtant, quand on voit ces manuscrits surtout, c'est peut-être l'écriture manuscrite la plus précise et la plus maniaque qu'on peut trouver chez un auteur. Et pourtant, je trouve que malgré tout, même dans ces indications, il y a toujours quelque chose d'extrêmement suggestif. Il ne comprend pas les compositeurs qui font ce métier comme ça tous les jours en écrivant. Il ne peut pas. Et chaque œuvre est l'objet d'une, comment dire, entre guillemets, gestation particulière qui est dans un cheminement. Et ce cheminement, c'est cette quête toujours plus haut qui nous mène des premières œuvres de jeunesse, hein, des mélodies par exemple, jusqu'aux dernières sonates. Qui sont quand même un point d'aboutissement ou aux études. Donc il y a chez ce compositeur un parcours absolument inouï qui fait que son œuvre se renouvelle en permanence. Et donc le piano est son instrument favori, c'est lui qu'il va exploiter, mais il va l'exploiter d'une manière très particulière. C'est un type d'écriture qui est vraiment très naturel. Je dirais pas facile, mais on sent presque la main qui se pose et qui improvise des accords. Et toutes les formules ne sont pas. Il n'y a rien qui est alambiqué, il n'y a rien qui est compliqué d'une certaine façon. On dirait qu'il cherche à épouser la nature vraiment. En tant que pianiste, c'était un pianiste merveilleux. C'est Jacques Durand, son éditeur, qui nous le dit. Il était un interprète de Chopin, il jouait Chopin admirablement bien. Il avait des couleurs tout à fait magnifiques. Et c'est vrai que par rapport au pianiste, il était extrêmement exigeant. Il trouvait que souvent les jeux étaient durs. Et il disait au pianiste, faites en sorte qu'on oublie qu'il y ait des marteaux dans le piano. Comme vous savez, il est rentré au conservatoire en classe de piano et finalement, ça a été un peu un échec. Donc, il est rentré très vite, hein, après 2 ou 3 ans de piano. Et on espérait, enfin sa famille espérait qu'il ferait une carrière de pianiste virtuose. Et puis finalement, ça a mal tourné. Il avait, paraît-il, un jeu un peu gauche, parfois un peu brusque. Ça, c'est le témoignage qu'on a de Debussy au conservatoire. Et une main gauche extraordinaire, ce qui ne m'étonne pas, parce que probablement Debussy était gaucher. Je ne sais pas s'il a été droitier après ça, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui tient par exemple la cigarette de la main gauche, qui est assez caractéristique d'un gaucher. Il paraît qu'il avait une main gauche extrêmement agile, et personne ne comprenait comment il arrivait à prendre plusieurs accords. C'est quelqu'un qui déchiffrait admirablement. Un grand déchiffreur. Il a lu des quantités de musique avec Paul Dukas, par exemple, à 4 mains. C'est très difficile de savoir exactement comment il jouait parce qu'on a effectivement des rouleaux. Alors, il y a deux types d'enregistrements. Il y a tout d'abord un enregistrement acoustique des années 1904,
qui n'est pas Debussy au piano, mais Debussy accompagnant Marie Garden dans Trois Ariettes oubliées, sachant que Marie Garden est la créatrice du rôle de Mélisande en 1902 à l'Opéra Comique, et que la deuxième édition des Ariettes, c'est à Marie Garden qui l'a dédiée. Donc Trois Ariettes, plus un extrait, un tout petit court extrait de Péléas. Et ensuite, à côté de cela, on a ce qu'on appelle les enregistrements sur rouleau. J'avais été extrêmement impressionné par Danseuse de Delphes parce qu'on avait l'impression d'avoir le fantôme de Debussy qui était en train de jouer. Donc, une espèce de clarté sonore, de beauté, de rondeur du son qui était tout à fait spectaculaire. Je dois dire que par le passé, j'avais eu cette expérience d'entendre un rouleau sur un très beau piano. Et c'est un résultat assez spectaculaire. Et j'espère que les gens qui découvriront les rouleaux dans l'intégrale apprécieront la beauté du jeu de Debussy. Je me souviens de quelque chose de pénétrant, justement. Voilà. Donc je peux imaginer quelqu'un qui avait, contrairement à ce qu'on imagine, parce que quand on parle de la musique française, on parle toujours de quelque chose... Le cliché dans l'enseignement du piano, c'est qu'on dit toujours la musique française, c'est léger. Et je pense, j'imagine quelqu'un qui, au contraire, pétrissait énormément le piano et essayait d'avoir un rapport très charnel avec l'instrument. Il y a dans la musique de Debussy une immense sensualité. C'était quelqu'un d'assez peu mondain, assez réservé. Je dirais un trait qu'il caractérise, par exemple, par rapport à son œuvre, c'est un compositeur qui va surveiller tout le temps l'exécution de son œuvre, mais qui va pratiquement refuser d'aller en première, parce qu'il n'a pas envie d'être salué par la foule. Donc il se retire à ce moment-là, une espèce de pudeur qui est assez caractéristique. Il y a dans la relation texte-musique, surtout dans la mélodie, quelque chose qui est lié à sa vie amoureuse. Lorsque Debussy va composer ses premières mélodies, il les compose pour une femme qui s'appelle Marie Vanier. C'est pour lui une occasion de tester le rapport littérature, poésie et musique, et en même temps de s'adapter aux capacités vocales de Madame Vanier, chose qu'il va complètement restreindre après ça dans son univers mélodique, puisqu'il va restreindre l'ambitus vocal, ce qui explique la difficulté de ses mélodies de jeunesse qui sont dans cette intégrale. C'est cette mise en musique de la poésie déjà qui va commencer à être sa première spécificité. Et cette spécificité, c'est par rapport à la langue qui va conduire à son chef-d'œuvre qui est Péléas et Mélisande. Et la mélodie est un élément, je dirais, moteur dans sa vie. Parce qu'à un moment donné, il vit avec une autre femme qui s'appelle Gaby Dupont, mais il ne vient pas le composer de musique parce qu'elle ne chante pas. Mais à un moment donné, il rencontre une autre femme qui s'appelle Alice Peter, dite en fait Alice Lovenstein. Et c'est pour elle qu'il va écrire les trois chansons de Bilitis. Et il va lui offrir en plus l'esquisse de la chevelure, qui est un des textes les plus, entre guillemets, érotiques, je dirais, des chansons de Bilitis. Après avoir épousé Lily aussi, une modiste, à un moment il essaie de stabiliser, de se caser dans la vie, je dirais. Il va rencontrer Emma Bardac, qui est une femme du monde et qui avait été probablement la maîtresse de Gabriel Fauré, qui lui avait inspiré ce cycle absolument magnifique qui est La Bonne Chanson. Et là, Debussy va s'épandre d'Emma Bardac et va composer à nouveau, revenir à la mélodie en est composant un recueil de fêtes galantes, deuxième recueil de fêtes galantes des Verlaine, qui sont absolument splendides. Donc on voit à quel point, tout d'un coup, cet univers de la mélodie est quand même lié souvent à des moments d'émotions amoureuses chez lui.